On fait une bonne équipe. Bonjour à vous les petits cinéphiles, et en ce mercredi 1er septembre, jour de mes 30 ans, je vous propose la critique du nouveau film Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et ouais, ça y est, on passe une dizaine. Alors c'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup le personnage, et ce que je peux vous dire c'est qu'il a été créé dans les années 70, une décennie qui a vu proliférer pas mal de films de kung-fu, popularisé par Bruce Lee. Le personnage est assez similaire à celui d'Iron Fist dans sa maîtrise du chi, mais il ne possède pas de super pouvoir. Et j'ai l'impression qu'ici, on essaie de mixer un peu l'univers de Shang-Chi avec celui d'Iron Man, notamment avec le traitement du mandarin, qui avait énormément déçu dans Iron Man 3. Et ici, on essaie justement de lui donner une deuxième vie. D'où également l'apparition des anneaux, qui est normalement une arme de prédilection du mandarin. Bien sûr, je ne suis pas un expert en la matière sur ces comics, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si je me trompe. À la réalisation, on retrouve Destin Daniel Cretton, dont c'est vraisemblablement le premier gros film. Dans le rôle principal, on retrouve Simon Liu, dont j'ai l'impression que c'est son premier gros rôle au cinéma, à part quelques petites apparitions dans les séries. Au moins, ça démarre fort pour lui, direct dans le MCU. Et notamment secondé par l'acteur Tony Leung Chiu Wai, ou alors Michelle Yeoh. Et alors, de quoi ça parle? Shang-Chi va devoir affronter son passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui, lorsqu'il sera confronté à la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Et je dois dire que j'étais pas hypé de ouf par le projet, malgré les différentes bandes-annonces. J'avais peur justement d'avoir un Iron Fist bis que j'avais plutôt bien apprécié sur Netflix, même si ça n'égalait pas Daredevil. Mais surtout ce que j'avais peur, c'est que le film soit trop calibré pour le marché chinois, souffrant de ce que j'appelle du syndrome Mulan, c'est-à-dire en fait un film fait pour le public chinois qui parle de la Chine, mais en fait qui est vu et fait par des Américains. Et verdict, je dois dire que je suis assez mitigé. Alors, d'un côté, tu ressens vraiment l'influence du cinéma chinois, notamment les films de Bruce Lee ou alors Tigre et Dragon. T'as des scènes de combat super bien chorégraphiées, dynamiques, et même au niveau de la mise en scène dans les combats, je veux dire, t'as des jolis plans de caméra, t'as des faux plans séquences, t'as des beaux éclairages qui mettent en valeur tout ça, et bah c'est appréciable. De plus, vous verrez, il y a tout un univers parallèle qui pourrait faire penser notamment au monde de Narnia ou alors à Pokémon, avec de jolies créatures super bien faites. Je vais même aller plus loin en disant qu'à un moment, t'es tellement dépaysé que t'as du mal à te dire que t'es dans un film de Marvel. Et à mon sens, c'est un gros point positif parce qu'en fait, t'as l'impression que Marvel essaie de se renouveler pour nous proposer quelque chose de nouveau. Mais d'un autre côté, tu sens que c'est encore hyper formaté, tu retrouves toute la mécanique habituelle des films du MCU, cette alternance rigolade, baston. Et le problème est toujours le même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la tension dans l'histoire ou alors que tu t'en fais pour les personnages, ben, il y a une petite blagounette qui vient désamorcer tout ça. C'est comme pour le personnage principal, tu sens que dans les combats et tout ça, il se donne à fond, tu vois. Il donne le meilleur de lui-même, mais je sais pas, il manque quelque chose. Alors, appelez ça du talent ou du charisme, mais en tout cas, le mec, tout le film, il a une seule expression. Là où je pense qu'est le gros problème, c'est au niveau du scénario. Alors, tout n'est pas à jeter, notamment la motivation du méchant ou alors la rivalité père-fils. Mais ça reste très convenu, ça prend pas trop de risques. Et le gros problème, c'est que j'ai pas ressenti une vraie menace. En gros, bah, si les héros échouaient, bah, tu vois, j'avais pas l'impression que le monde allait être détruit. Ça, c'est dommage. Et entre nous, ça faisait longtemps que j'avais pas dû autant lutter pour pas m'endormir au cinéma. Même si je trouvais qu'il y avait des points positifs, hein. Mais il faut attendre plus de la moitié du film, voire les trois quarts, pour vraiment cerner les enjeux du scénario. Et puis ce besoin qu'on a toujours de raccrocher ça à un film d'Iron Man, honnêtement, ça devient chiant. Mais bon, tu sens qu'on nous a fait une petite origin story tranquille pour introduire le personnage, parce que quand tu vois la scène post-générique, honnêtement, tu sens que c'est pour quelque chose de plus grand, et on nous tease littéralement l'arrivée de The Eternals. En bref, je reste quand même assez mitigé. D'un côté, je salue la nouveauté et les bonnes idées, mais de l'autre, je trouve encore ça hyper convenu et c'est vraiment décevant. Après, hein, je pense qu'énormément de gens apprécieront ce film. À vous, justement, de vous faire votre propre avis. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de me faire vos retours sur le film en commentaire. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt !